J'ai tout le temps eu des rêves de l'Afrique. Je suis un batteur, mais je pense que de par ma formation, des trucs que j'ai fait, je pense qu'avant tout, je suis un percussionniste. J'ai souvent lu en fait des trucs qui disaient que bon, l'Afrique c'était mystérieux, que pour les Occidentaux c'était insondable. D'aller là-bas, m'imprégner d'un peu. Le bassin de où tout est parti. Je m'en vais là-bas pour côtoyer une réalité complètement différente. Je vais là-bas voir un autre regard sur l'art, un autre regard sur la vie. X va brasser sa quotidienneté, qui est une quotidienneté de brassage. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, on va être notre référent, on va s'aider, notre référent occidental dans un milieu qui ne l'est pas du tout. Pour moi, faire de la musique ou parler avec des gens, c'est la même chose. Nous venons d'atterrir Dakar. Nous vous demandons de garder votre ceinture attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. X. C'est un groupe québécois. En fait, au départ, on était 6 jeunes musiciens. On est 4 qui sont en Afrique. Il y en a 2 qui ont pu Pierre-Alexandre Tremblay. Je suis le bassiste. Lui, c'est Sébastien. Sébastien Côté. Et Gaboué. C'est le batteur. Sébastien Batteur. Moi, c'est Simon Côté. Le guitariste. Il est guitariste. Et Guillaume Tournon, percussionniste. Nicolas Boucher, piano. Jean-François Blais au saxophone, soit resté à Montréal. Les présentations sont faites. Je vais présenter aussi Étienne Delière à la caméra et Claudine Levasseur à l'assistance caméra. Le jazz du groupe X, ben, c'est un grand métissage. C'est un continuel laboratoire. Pierre-Alexandre vient de l'électroacoustique. Sylvain Pohut, il a étudié en jazz. Beaucoup d'influences dans la musique électronique, musique contemporaine orchestrale européenne. Guillaume aussi étudiant en électroacoustique. Moi, j'ai étudié en percussion classique. Il y a un peu de tout, tu sais. X, c'est la lettre, hein, comme en mathématiques, la variable. La musique, c'est une musique improvisée, donc très changeante, fluctuante. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ça? On ne sait pas. Ouais, parce que hein, les toutes choses. Toutes les hein, choses, c'est ça. Inch'Allah. Et donc, vous avez choisi le Sénégal, pourquoi? En fait, c'est une longue histoire. Le premier événement, je dirais, qui a été confirmé, si on veut, ça a été le Festival de Jazz de Saint-Louis.
ça a créé un contact qui a rendu concret le projet qui était un peu abstrait d'aller en Afrique. Le projet de venir au Sénégal, c'est un projet beaucoup plus large qu'on appelle Afrix. On arrive ici et on s'imprègne du milieu. Samedi, on s'en va à l'hiver. On va échanger des musiciens traditionnels. Donc, on revient prendre contact avec la source de ce qui est... Bon, je suis pas très noir, hein? Je suis pas très afro-américain. C'est vraiment... C'est le que... Pas de... C'est la musique jazz contemporaine, vient de la musique jazz traditionnelle, qui vient du blues, qui vient de la musique afro-américaine. C'est un retour aux sources, mais je veux pas dire retour aux sources parce que je ne suis pas obligé de ça. Excusez-moi, hein? Mais ça reste quand même que la musique qu'on fait est ancrée dans la tradition américaine, qui vient de la tradition afro-américaine. T'as-tu une batterie pour toi? Oui, on fait comme, comme disait Gaboué. Sébastien, c'est un retour aux sources qui sont pas nos sources si on veut, mais l'origine de ce qu'on fait qui est une divagation très loin, tu sais, très loin. On vient voir d'où ça part. Exactement. Welcome to Dead Valley. Là, ben, tu t'en souviens, hier, c'était Dead Valley. Là. Ouais. Genre, une place, là, t'as comme pas d'ombre pendant genre 5 minutes. Là. C'est No Man's Land. Ouais, pis là, c'est là que tu meurs, en fait. Oh, mais regarde, y a du monde qui meurt. Tu sais, là, à un moment donné, dans la formation, on a vu. Il y avait des images du coin ici, là, avec genre une espèce de désert de baobab, pis tout ça, là, pis y avait Ismaël Lowe qui chantait avec des enfants. Ouais. Tu n'es pas de ça? Ouais, ouais. Ça va l'air cool, tu sais. Ça va super tôt. En tout cas, on pourra dire qu'on va savoir c'est quoi vivre dans un four à pizza pendant un mois de temps. J'ai un pied esti en dehors, mon gars, là, puis là, je viens de me rendre compte qu'il est après cuire. Je suis pas vite, là, tu vas dire. Tu m'as l'air tellement bête. Il est bien sûr l'omniprésent balade qu'on entend résonner dans tous les huttes. Es-tu encore dans ton pied, là? Ben, on dirait qu'elle commence à rentrer profond, ça fait plus mal. Moi aussi, je m'en suis rentré une épine, mais je vais te dire la grosseur que j'ai vue qu'elle avait hier. Ouais, ouais, continue ton histoire. Ben, c'est ça, ça avait l'air vraiment cool, tout ça, mais. Pas d'épine dans le pied. Je peux pas dire qu'il fait chaud, c'est pas vrai, tu sais. À Montréal, il fait chaud des fois, tu sais. Puis il y a des épines à terre. Ah, oh, Seigneur Dieu! Tu peux me souffler des épines partout, man, mais pas dans les pieds. Pas du tout, tu souffrais. Par là-bas, moi, tu souffrais. Ah! Tabarnak, mon gars. Je suis pas capable de marcher comme normalement. Faut que je marche sur mon côté du pied. Je suis pas élu. Ça va venir par ça? Ah, ça va venir par ça. Est-ce que vous avez quoi de planning du reste de la semaine? Est-ce que vous avez quoi de planning? Qu'est-ce que t'en as dit? Non, non, je vais savoir si ça va être. Je vais surveiller.